Salut tout le monde, c'est Power. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce de la semaine. Je sais pas encore le numéro de l'astuce puisque je vais en faire plusieurs à la suite et ensuite je choisirai dans quel sens je vais mettre, enfin dans quel ordre je vais mettre les astuces. Mais en tout cas, l'astuce de la semaine aujourd'hui consiste à faire un background partenaire ainsi que l'encodage des textes que vous verrez, que vous voyez directement là sur le background. Donc ça peut être Facebook, Twitter, votre chaîne secondaire, Machinima, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour faire ce tuto, vous aurez besoin du PSD. Donc il inclura le module, donc ça là, et la bannière. Donc c'est ce qui délimite tout le contour dont vous pouvez cliquer sur votre bannière. Tout le reste, vous ne pourrez pas. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez rester appuyé sur CTRL et vous allez appuyer sur le petit rectangle blanc que vous voyez là. Donc ça va délimiter. Là, ça ne se voit pas parce que je suis sur Photoshop CS6. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire CTRL-C. Vous allez créer un nouveau dossier, un nouveau fichier, pardon. Donc la largeur 960 et la hauteur 150. Normalement, ça se fait automatiquement. Le nom, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Vous l'appelez bannière. Contenu de l'arrière-plan, on va le mettre en transparent et vous faites OK. Voilà, donc ça vous donne ça. Si vous avez bien fait CTRL-C, donc pour copier, vous allez faire CTRL-V et normalement, ça vous donne ça. Pour mon background à moi, après, c'est à vous de bien le faire. Hein. Y a pas, normalement, il n'y a pas besoin de le bouger. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez l'enregistrer en PNG parce que je pense que c'est quand même la meilleure qualité. Voilà. Bannir, c'est bon, enregistrer. Donc, contient des. Ok, on s'en fiche. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir besoin d'un site pour faire l'encodage. Donc, ça vous évite de faire des trucs bien compliqués. Là, c'est très simple et rapide. Donc, le site s'appelle ImageMap. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Par contre, c'est un site en anglais, mais bon. Comme vous allez suivre le tuto, normalement, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Donc, pour commencer, vous allez choisir un fichier. Donc, la bannière pour moi. Ça peut marcher avec tout ce que vous voulez, hein, pas forcément une bannière. Là, je le fais en l'occurrence pour la bannière parce que je sais que beaucoup de gens en ont besoin. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre fichier, vous allez appuyer sur Start Mapping Your Image. Voilà. C'est un peu long parce que ça l'upload. Et en plus, je suis en train d'upload un speedart pour WarTech. Donc, vous verrez, normalement, il sera upload avant. Là, faut attendre 10 secondes. Continue to next tape. Voilà. Normalement, voilà. Donc là, votre bannière s'affiche. Ensuite, pour faire les liens cliquables. Donc, vous allez prendre rectangle ou custom shape, c'est pour faire votre forme à vous personnalisée. Moi, je préfère prendre rectangle parce que ça va plus vite. Et bon. Voilà, donc ça va vous donner un petit carré comme ça. Vous allez l'agrandir comme ça. Vous pouvez l'agrandir en diagonale, voilà, en hauteur, ce que vous voulez. Voilà, donc vous le positionnez comme vous voulez. Link for this map, c'est le lien. Donc, moi, je vais mettre facebook.com hein, après. Vous verrez bien. Vous mettrez de ce que vous voulez, vous. Tiltle Alt for this map. Donc là, c'est ce qu'il y a écrit là pour vous retrouver si vous avez beaucoup de liens à mettre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Save et ça vous fait ça. Si vous voulez le faire pour le reste, vous faites la même chose. Vous appuyez sur Rectangle encore. Vous le remettez au même endroit. Vous essayez de bien le positionner. Bon, moi, je vais faire ça vite fait parce que. C'est pas le sujet principal du tuto. Voilà. Comme ça. Vous refaites encore la même chose. Bon, là, j'ai pas mis lien, hein, mais c'est pareil partout. Voilà. Là, vous mettez ce que vous voulez. Comme ça. Et encore un dernier. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez bien mis le nom. Bon, ça c'est facultatif, mais bon, c'est quand même plus facile. Et le code, enfin le lien de votre lien, de ce que vous voulez mettre, vous allez appuyer sur Get Your Code. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà.
Ça charge, c'est un peu long parce que ça travaille. Va attendre. S'il pouvait se dépêcher un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Attendez que je me souvienne. Normalement, ça devrait s'afficher. Ah oui, non, pardon. Donc vous allez aller dans HTML code. Donc ça va vous donner ça. Oui, HTML code. Donc ça vous donne tout ça. Vous allez faire CTRL A. Donc pour tout sélectionner, c'est CTRL A. Hein. Ensuite, vous faites CTRL C pour copier. Et CTRL V pour coller plus tard. Donc pour l'instant. Pour les partenaires, donc je pense que vous savez quand même faire ça, mais je vais vous faire voir. Vous allez dans paramètres de la chaîne. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre dans l'icône de la chaîne sur la page de lecture, bannière de la chaîne, pardon. Vous n'allez plus qu'à faire CTRL V et c'est bon. Voilà. Donc faites modification terminée pour bien enregistrer. Et bannière de la chaîne, vous mettez bien 150 pixels, hein, parce que sinon ça ne sera pas la même que vous. Donc la bannière, c'est facile, hein, vous l'uploaderez ici, là, mais bon, normalement, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que ça aidera pas mal de personnes, parce que je vois beaucoup de personnes qui me demandent, sauf que je ne peux pas faire un tuto personnalisé à chaque fois. Voilà. Donc bah, on se retrouve pour une prochaine astuce de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Proposez-moi des tutos sur Twitter ou Facebook. Et voilà. Allez, à la prochaine tout le monde.